Collard reprend. Dans le territoire des remparts, la passe sur sa gauche. Benjamin Corbeil, vétéran de 20 ans, passe au point d'appui. Le tir d'Arsenault et le but! Vincent Collard fait dévier le tir d'Arsenault à la gauche de Iacobo. Les remparts étaient, passez-moi l'expression, tout mêlés dans leur territoire sur cette séquence. Et le tir à ras la glace d'Arsenault a été redirigé par Collard à la gauche de Iacobo. Le Drakkar ouvre le pointage avec 18 minutes exactement à jouer en première. C'est 1-0 Drakkar. Pense bien que Collard sera crédité du filet. On va attendre la confirmation. Perd le disque, Mariella en appui à Noss. Noss, long tir, ça dévie. Et le but! La rondelle a dévié. Je pense que c'est Huchette qui sera crédité du filet. Le long tir de Noss a dévié sur une jambière pour battre le gardien Olivier Adin. Et c'est l'égalité 1-1. Si jamais Michael Huchette est crédité du filet, il vient de marquer son premier but en 20 matchs. Huchette n'avait pas marqué depuis le 11 février à Gatineau. On va attendre la confirmation. Vieux cette fois. La voix derrière son filet, Père Amalatesta, la passe devant, le tir là-bas! Nathan Gaucher dégaine rapidement et bat le gardien Adam par-dessus l'épaule droite. Et les remparts prennent les devants 2-1. Excellent jeu de James Malatesta en échec avant. Il a subtilisé la rondelle au défenseur, la voix derrière la ligne des buts. Ramené la rondelle devant le filet et Gaucher était complètement seul. Il avait frappé la glace avec son bas. Cournoyer côté droit de la glace, descend profondément. La passe devant, Bolduc est là-bas! Zachary Bolduc loge la rondelle par-dessus l'épaule droite du gardien Adam. Une savante passe d'Edouard Cournoyer sur cette séquence. Deux buts en 24 secondes et les remparts prennent les devants 3-1 au centre Vidéotron. Un 37e cette saison pour Zachary Bolduc. Il n'a fait disque. Jacob Gaucher bataille avec Olivier Coulombe. Filion revient derrière le but. Bel arrêt d'Olivier Adam. Il y aura Bolduc. Transversal pour Rochette. Rochette s'avance, le tir. Arrêt d'Adam. Rondelle libre. Rochette ramène la rondelle au but. Arrêt du gardien. Il n'y aura pas de retour. Et Rochette au point d'appui à Crevier. Punition terminée. On est de retour à 5 contre 5. 0 en 3. Les remparts en avantage numérique. Bolduc, le tir là-bas! Zachary Bolduc envoie une rondelle vers le filet. Ça dévie sur la lame de bâton d'un joueur du Drakkar avant de battre Olivier Adam par-dessus l'épaule droite. Un deuxième ce soir pour Zachary Bolduc. Encore deux buts. Avant Gravel dans le coin. Tente de ramener devant, ça touche Fenenko. Gravel récupère. Le tir là-bas! Zachary Gravel récupère la rondelle libre et son tir vif. Bat le gardien Olivier Adam à sa gauche. C'est 5-1 Québec. Deux buts rapides. Gravel inscrit de cette façon son 18e de la saison. Avec 15-41. À jouer en deuxième, deux buts en 58 secondes. Ça mène à 2-1, passe devant, le tir et le but! Andrew Belchamber bat Fabio Iacobo, c'est 5-2. Belle passe de Corbeil qui avait habilement capté la passe au vol en entrée de territoire sur l'aile droite. Et le surnombre est payant pour le Drakkar. Belchamber a dégainé rapidement. Avec 12 minutes 16 à faire en deuxième, c'est 5-2 rempart. Andrew Belchamber redirige la passe de Benjamin Corbeil à la droite de Fabio Iacobo, à la gauche de Ciarlo. Pierre-Olivier Roy garde la rondelle en zone ennemie. Derrière le but, Bolduc à Rochette. Le nom de la ligne début à la gauche du gardien. Passe devant. Voilà Savoie qui s'avance. Le tir de but! Nicolas Savoie, du temps et de l'espace, s'est amené. A pris tout son temps et il en avait beaucoup. Loge le disque par-dessus l'épaule gauche du gardien Ciarlo. C'est 6-2 Québec. Une belle passe de Théo Rochette à Nicolas Savoie qui venait appuyer l'attaque. Les remparts reprennent les devants par 4. Il ne se transforme pas en chance de marquer. Kamarov descend du point d'appui. À Huchette revient devant. Kamarov le tire. Bel arrêt de Ciarlo. Rondelle libre. Lamar reprend et sorti de territoire. Le Drakkar sur l'aile droite traverse. Filion dans le coin. Pépin vient à sa rencontre. Filion derrière le filet. Courte passe. Coulombe revient devant. Le tir le but. Belle manœuvre d'Olivier Coulombe qui est du revers. Loge le disque par-dessus l'épaule gauche d'Olivier Ciarlo. C'est 7-2 les remparts. Belle manœuvre d'Olivier Coulombe de derrière le filet pour placer la rondelle là où grand-maman cachait les biscuits. Avec 1-0-9 à jouer en deuxième, un 4. Dégagement intercepté. Bolduc de l'enclave et le but! 1, 2, 3e but ce soir pour Zachary Bolduc. Son deuxième tour du chapeau de la saison. Et c'est 8-2 Québec. Quel tir de Zachary Bolduc. Un 39e pour le numéro. Pépin. En transition, la passe à Collard. Dans le territoire des remparts, collision avec Cournoyer qui a pris le plus dur du coup, mais hors-jeu à l'entrée du territoire des remparts. Édouard Cournoyer
à 5 pieds 9 pouces.